Mary? Mary Travers, ça vous dit-tu quelque chose? Peut-être bien que non. Mais si je vous dis Madame Édouard Bolduc, oh ben non, encore mieux que ça. La Bolduc. En plein ça, la turluteuse. Dans mon temps, on pêchait le squid avec un agrès qui s'appelait, ça vous comment? Une tarlute ou turlute, comme vous voudrez. Tout pêcheur jetait sa turlute en mer puis avait espoir de faire une pêche miraculeuse. Mais moi, un jour, j'ai jeté ma turlute parmi le monde. Oh, mes amis, jamais j'aurais pensé que ça aurait mordu autant. J'ai ramassé un char puis une barge d'amour, de joie, de tout le peuple canadien-français, partout ce qui se trouvait. Au Québec, en Ontario, ailleurs au Canada, même exilé jusqu'aux États. Avec ma turlute puis mes chansons, j'ai voulu donner de l'amour au monde. Puis en revanche, mes amis, le monde m'en a donné tellement. Mary Travers, une vraie de vraie morue fortillante. Une Gaspésienne. Pure laine. Espérez-moi. M'a toute vous turluté ça. Madame Bolduc a gagné le cœur de tant de gens, a mis tant d'elle-même à chanter son monde et son pays, son temps et son espace, que les gens lui ont instinctivement, comme on dirait en France, donné la particule. Ils ont dit la Bolduc. C'est le plus grand hommage. C'est plus qu'un monument. Je l'ai-tu fait, ça? Courir le long de la grève en m'essayant de jouer sur ma ruine babine, ou bien sur ma bombarde. Nu-pied. Nu-pied, certain. Parce que d'essuyer, j'en avais pas. L'église Saint-Dominique était pas bâtie quand je suis venu au monde au mois de juin 1894, ici, à Newport. Ça venait de partout, vous savez, hein, pour venir pêcher dans les alentours du site. Des pêcheurs espagnols, des Basques, des Portugais, des Juifs. Ensuite de ça, des Français de France, des Anglais d'Angleterre. Il y avait des Écossais, il y avait des Irlandais. Puis bien souvent, ils étaient pris pour rester en degré ou de force. Fait que quand on nous dit que la couverte gaspésienne est 100% pure laine, c'est bien trop vrai. En seulement que les moutons sont venus d'un peu partout. Anciennement, ça s'appelait Pointe aux Genièvres, ici. C'est quand les loyalistes américains sont venus que ça s'est appelé Newport. Des affaires qui peuvent arriver, ça, hein? Regarde donc, moi, comme elle était respectable. Elle avait pas 15 ans qu'elle voulait se marier. Tante, 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 tante. Et garde dans mon père, ça c'était un homme d'affaires, et c'est gros comme un haram, mais ça ça donne qu'il n'avait d'un. Tant de temps de tourner, 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 tant de temps. Au bout de 14 ans, il avait 18 enfants, c'était bien encourageant, il travaillait pour le gouvernement. Tant de temps de tourner, tant de temps, tant de temps de tourner, tant de temps de tourner, tant de temps de tourner, tant de temps de tourner. La maison de mon père était bâtie drette-site. Une grosse maison carrée en bois remplie foule d'enfants. Mais quand je sortais de la maison à l'âge de 7-8 ans, on aurait dit qu'il y avait juste la mer. L'air de la mer. Mon père était irlandais, Lawrence Travers. En seconde noce, il a marié ma mère, une Gaspésienne pure laine, Adeline Cyr. Pas qu'il y a un lien de parenté avec Louis Cyr. C'est bien pour ça que ça a fait des enfants forts, à commencer par moi, Mary, le premier enfant de ce lit-là.
Mary Travers, canadienne, française, irlandaise, catholique par deux fois. Fait que vous comprendrez bien que dans ma vie, il y avait deux fêtes que je fêtais à plein. La Saint-Jean-Baptiste puis la Saint-Patrick. Même que je peux bien vous le dire, à cette heure. Dans les registres de la paroisse à Newport, puis dans les registres au civil à Percé, vous allez lire que je suis venue au monde le 4 de juin. Mais on vous le dit franchement, j'ai toujours fêté ma fête le 24 de juin. J'ai-tu besoin de vous faire un dessin? Il y a bien longtemps que je suis partie de là. Jamais de la vie je pourrais oublier ça. Il y avait un garçon là que j'aimais bien. Je vais vous le nommer, c'est Germain Fouin. De la morue, des sarrues puis du hareng. Des beaux petits gos, du flottant, du manigot. S'il y en a parmi vous qui aiment ça, descendez à Gaspé, vous allez en manger. T'as mis tes beaux souliers, Mary Travers. Ouais, ça a pris du temps avant que je les aie. Je vous dis, je vais en prendre soin. Où c'est que tu t'en vas, Swell, demain? À Montréal. Je m'en vais retrouver ma demi-sœur, Marianne. Elle travaille sur un docteur dans la Corée de Saint-Louis, que ça s'appelle. Je vais être servante, comme elle. Ouais. Mais t'as le cœur gros pareil de laisser ta Gaspésie, hein? Oh non. On est pauvres chez nous, madame. Puis je suis rendue assez grande à cette heure pour être réveillée. Puis les servantes ont un bon gage, puis logées, nourries, blanchies. Puis je vais revenir en Gaspésie. Je vais revenir. Qu'elle était de mauvaise quand sa femme travaillait, je vous dis qu'à la watchette, elle a une tête, 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 la servante est si belle que sa bourgeoise se jalouse d'elle. Quand son mari venait dîner, elle jetait un œil de côté. Quand elle est pas à la maison, la servante a une belle façon. Si c'est pas avec le laitier, c'est avec le boulanger. Quand vient les réparations, elle se match un beau garçon. Si c'est pas avec le plombier, c'est avec le menuisier. Ça a bien l'air de bonne humeur, petite fille! À soir, c'est mon soir off. Ma soeur et moi, on s'est réveillés chez les Remonts. Les autres viennent de petits pas beaux. J'ai apporté ma bombarde, puis ma musique à bouche, puis mon violon. Ça va se soigner vrai? Chez ma tante Gervais, oh oui, du pognon y'en avait. Sur la vite, 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 chez ma tante Gervais, oh oui, du pognon y'en avait. Tirlitum, tum, tum, yam, tum, tadilaridum, tirlitum. J'ai travaillé une bonne escouche chez des messieurs canadiens-français. Les juifs et tout. On t'a pas maltraité. Seulement que j'ai tout fait. Ah, que j'ai tout fait. C'est vrai que j'avais connu la misère en Gaspésie. Mais en Gaspésie, mes amis, ou bien non, une personne prend le bois, ou bien non, apprend la mer. Puis dans les deux cas, moi dire, comme on dit, il y a de la place en masse. La liberté. Le goût de la liberté. Ma Gaspésie m'avait donné ça. Est un oiseau qui prend son envol au risque de se brûler les ailes, au risque même de se faire tirer dessus, plutôt que d'être un oiseau bien tranquille, mais en cage.
Ça fait que j'ai pris mes ailes à mon cou, puis je me suis engagée dans des manufactures de robes. Puis par mes soirs, j'allais retrouver mes amis de la Gaspésie, puis mes nouveaux amis de Paris-Site. Puis on se rit là ça jusqu'aux petites heures du matin. Ma liberté, je la faisais danser entre les cordes de mon violon. Puis le vent du large, je le faisais souffler entre les dents de ma ruine babine. Bolduc. Moi aussi, je joue du violon. Ah oui! Quand j'ai eu mes 20 ans, elle où je dis à mon mari, c'est le temps de t'aider si je veux me marier. La campagne, j'ai laissé. À Montréal, je suis allée. Je vous dis que ça n'a pas été long, j'ai connu un beau garçon. On dit que je suis niaise, mais ça, pourtant, je le sais. Quand on joue avec la fournaise, on finit par se brûler. Toujours qu'une veillée par ici, une veillée par là, on a fini par accorder nos violons. C'est le 17 du mois d'août 1914 que je suis devenue Madame Édouard Bolduc. C'est notre premier logement, ça, quand on était jeune marié. La guerre venait de se déclarer. Je voulais pas qu'Édouard aille se battre, puis Édouard voulait pas non plus. Les Canadiens français voulaient pas aller se battre. Mais ça, c'est comme pour pointer au Geneviève qui aurait pas voulu revirer Newport. Veux, veux pas, ça s'est fait. J'avais connu la misère en Gaspésie. Je l'ai connu un peu mieux quand je suis arrivée à Montréal. Puis la misère est encore là en 1914, même que c'était pour aller en empirant. Ça a pas empêché qu'ils s'en aient tenu des veillées de Gaspésiens chez nous. Édouard aimait bien la musique et tout. Il était plombier. Mais il suffit que la misère a pris, il ne trouvait pas toujours de l'ouvrage. Fait qu'il tâchait de jobiner du mieux qu'il pouvait. Moi, je m'étais acheté une machine à coudre pour nous aider à joindre les deux bouts parce que ça n'a pas été long que les enfants sont venus. Je suis tombée enceinte parce qu'à toutes les années, jusqu'en 1930, j'en ai perdu plusieurs. Ça, c'est ma plus vieille, Denise. Réal, mon seul gars. Ma fille Lucienne, ça, c'est Fernande, mon bébé. Enceinte 12 fois, 7 petites filles, 5 petits gars. Là-dessus, j'en ai réchappé 4. Juste 4.
Après ça, on est venu rester ici, sur la rue Bordeaux. Je vous ai dit que j'en avais réchappé quatre. Ça veut dire que j'ai fait plusieurs fausses couches. Mais le pire, c'est quand on a perdu nos deux petits anges. Mon petit Roger avait 20 mois. Puis ma petite Jeanne, je l'ai toujours appelée Jeannette. Elle a 3 ans et demi. Edouard puis moi, on a manqué de virer fou à cause de ça. À force de connaître tes misères, il vient un temps que nos grands chagrins nous ont pris toutes les larmes, qu'il nous en reste plus. Chacun braille à sa manière quand il ne reste plus de larmes. Moi, je faisais des hémorragies tout le temps. Mais vous savez, dans ces moments-là aussi, c'est la musique qui m'a sauvé la vie. Surlutter. La plupart du temps, c'est un signe de gaieté. Mais il y a des fois que c'est comme sacré. Sans que ça soit péché, parce que le bon Dieu sait que ça fait du bien. Ça défoule. C'est comme pour le gigue. J'ai gay la plupart du temps, c'est pour se faire plaisir. Il y a des fois que c'est comme donner des coups de pied. Et comme crier avec ses pieds. Que j'ai vécu, je l'ai mis dans mes chansons. C'est pour ça que plus tard, dans ma chanson « Sans travail », j'ai chanté « Mais dans tout ça, le plus affreux, ce sont nos chers petits malheureux. Pas d'argent pour les faire soigner, on finit par les enterrer. » Mais dans tout ça, les plus affreux, ce sont les chers petits malheureux. Pas d'argent pour les faire soigner, on finit par les enterrer. Mais dans tout ça, le plus affreux, ce sont nos chers petits malheureux. Pas d'argent pour les faire soigner, on finit par les enterrer. Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Ça fait qu'on s'est en allé rester chez la sœur d'Edouard. À Springfield, dans le Massachusetts, pour tâcher d'oublier la mort de nos petits. Je vous dis qu'on n'était pas tout seul à part de ça pour savoir où se garocher pour oublier. Oublier notre je me souviens, je crois bien. En tout cas, on a toffé 2 ans, on n'a rien oublié. C'est pour ça qu'on est revenu. On s'ennuyait bien trop de notre pays. J'ai changé de logement 4 fois de 1922 à 1927. Un logement sur la rue Logan, 3 sur la rue Dufresne. Mais c'est au 17-18 de la rue Dufresne que ma carrière professionnelle a vraiment commencé. Il en venait des musiciens chez nous, mes amis. Des bons puis des meilleurs. Il y avait Villa Légaré qui venait, Alfred Montmarquette, puis bien d'autres de la Gaspésie qui avaient la réputation de savoir comment tenir un violon. Il y en avait parmi ceux-là qui avaient l'habitude de jouer aux veillées du bon vieux temps organisées par M. Conrad Gauthier au Monument national. En sortant de chez Ferdinand, chapelot sans le cœur content, mais en sortant de chez Batifiole, plus il va, plus il caracole, fu, mais cependant, les pieds plus légers que la tête, fu, mais cependant, chapelot façon jour de l'an.
Moi, il suffit que je joue avec eux autres. Je prenais du métier, comme on dit. Puis ce monde-là était pas sans remarquer que le bon Dieu m'avait donné un certain talent pour la musique. Fait que c'est de même que je me suis retrouvée sur le stage du Monument national un bon soir au veillé de M. Conrad Gauthier. Puis tout de suite, le monde m'a aimé. Si vous aviez été ici dans la salle, vous auriez vu ça, là. Des belles grandes tables dressées, soit pour le temps des corvées, le temps des sucres, ou bien comme ça, là, le temps des fêtes. Puis on était là, toute la gang, puis il y en avait qui faisaient leur numéro. Une gigue, une chanson, qu'importe. Moi, ça m'arrivait de remplacer des musiciens, d'accompagner des chanteurs, soit à Bombarde, à Musique à Bouche, des grandes vedettes du temps, soit M. Eugène Déniaud ou encore le grand Villa Légaré. J'étais contente. Ça me faisait un petit brin d'argent. Édouard puis moi, on avait perdu nos jobs. Puis Édouard était tombé malade pour ça. Mais j'avais pas idée pantoute de ce qui m'attendait, par exemple. Tout a commencé un soir en 1927. 1928, tout de même. C'est comme ça se passe dans le temps, les fêtes nous tapent la galette, les garçons, les filles avec eux. C'est comme ça se passe dans le temps, les fêtes nous tapent. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. Imaginez-vous donc, M. Daigneault, il n'est pas encore arrivé. Ça doit être à cause de la tempête. Ça vous dirait-tu de chanter un petit quelque chose, Mme Bolduc? Ben voyez donc! C'est comme ça, ça se passe dans le temps des fêtes. La galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça, ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça, ça se passe dans le temps du jour de l'an. Ce soir. Ben, c'est probablement à cause de la tempête, là. Mais le père Transmontagne n'est jamais en peine de se trouver des nouveaux joueurs. Je vais vous en présenter une nouvelle, moi. Ah, vous avez déjà vu jouer de la bombarde puis de la musique à bouche. C'est une Gaspésienne pure laine qui vous a un sourire, mes amis, à vous charmer tous ceux qui la rencontrent. Ce soir, pour la première fois, elle va vous poussez une petite chanson et j'ai nommé Madame Édouard Bolduc. Bonsoir. Bon, ben, je vais vous en chanter une que je sais. C'est bien de vous en chanter une que je sais. Je vais vous chanter Il y a longtemps que je couche par terre. Un, deux, trois. Il y a longtemps que je couche par terre, je vais coucher dans mon lit à soir. Ma paillasse est déchirée, j'ai pas de pile pour la raccommoder. Si j'étais plus fortuné, je l'enverrais chez un couturier. Il y a longtemps que je couche par terre, faut y passer pour le savoir. J'ai des points dans les côtés, partout de la tête jusqu'aux pieds. J'ai le nez tout magané, m'avoir couché sur le plancher. Quand ça l'a levé, il me l'a demandé quatre fois. Ma carrière venait de commencer sans que je l'aille vivre. On veut rien encore moins. Le pire, c'est que je ne le savais même pas. N'empêche que quand j'ai pris le petit char pour revenir à la maison ce soir-là, j'ai eu dans l'idée de composer mes propres chansons. Mais ça y est, tout va bien. Mais savez-vous que c'est une rôdeuse de bonne idée que j'ai eue? Ça va s'appeler comment, votre chanson, homme? Ça va s'appeler La cuisinière. Écris ça, Denise. Je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Était-tu comique, la cuisinière, moi? Écris, écoute, pas moi, par les mots. Elle prend soin de ses troupeaux comme une belle bergère. Pas trop vite, maman, pas trop vite. Et que je t'ai fière de moi. Aussitôt que ça a été possible, je les ai chantés. Et puis, c'est elle-même qui l'a composé, cette chanson-là. Madame Édouard Bolduc. Thank you.
vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. Pas bien loin dans les environs, on verra passer des garçons, des grands et des petits, des gros et des gros, des noirs et des blancs. Hourra pour la cuisinière! Présente un amoureux avec des belles manières. Il était si gracieux en faisant sa prière. Mon petit cœur débat pour le sien, puis le sien débat pour le mien, puis le mien pour le sien, puis le sien pour le mien. Hourra pour la cuisinière! Là, je me suis dit à moi-même, toi, ma fille, il est temps que tu fasses un record. Fait que je me suis retrouvée chez Compo Musique dans le studio. Oh, ça a failli mal revirer, ça, mes amis. Ça s'est énervé, le cœur me bat comme une patate d'un gorlot, d'un barlot, d'un sabot. Ben voyons donc, Mme Bolduc, vous êtes une championne. Vous allez voir que ça va bien aller. Merci bien. Bon, tout est correct. On va commencer. Allez-y. On va y aller, mon vieux. Un, deux, trois. Oh, pile sec, mais veux-tu me dire comment est-ce que j'ai joué, moi? À cause donc, vous savez-tu jouer? Ben voyons donc, Mme Bolduc. Ils ont pas posé des effaces et crayons pour rien. Je pense que les gens faisaient des erreurs. Inquiétez-vous pas. Ça va bien aller. Bon. Allez-y. Un, deux, trois. Mais j'ai ça à frousse. On dirait que j'ai des babines d'acier. On va la voir la prochaine fois. Soyez pas inquiète, M. Baudry. Ah, je suis pas inquiète, Mme Bolduc. Inquiète. Peut-être bien que vous seriez mieux de jouer des os. Oui, tu étais croyant. Allez-y. Un, deux, trois. Je vais vous dire quelques mots d'une cuit. Mais je suis donc bien dingue, donc, hein. Mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qui m'accroche la langue de même, moi? Une dent lutte, tête de... Il est-tu tribun, hein, M. Baudry? On pourrait pas dire qu'on n'a pas essayé, hein? 9 fois. On n'est pas pour lâcher là, M. Baudry. On va l'avoir la prochaine fois. On va l'avoir, là. Écoutez, Mme Bolduc, les temps sont durs et puis les records de ces tablettes. Les gens n'ont pas d'argent. On fera ça une autre fois, Mme Bolduc. Une dernière fois, M. Baudry. Là. Ça va être la dernière, je vous le jure. Je sens que le monde va l'acheter, mon record. Moi, je sens ça, ces affaires-là. Moi aussi, je le sens. C'est oui, ça va être terrible, t'es encore là. M. Baudry, je le sens. Ben, c'est bien correct. Oh. Mais pour la dernière fois. J'ai demandé à Sainte-Thérèse, on va l'avoir. Hey, j'espère qu'elle connaît la musique, elle. Allez-y. Un, deux. Je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. Pas bien loin de les environs, on verra porter des garçons, des grands et des petits, des gros et des courts, des noirs et des blancs. Hourra pour la cuisinière. Mais craignez-moi pas. J'en ai vendu en 10 et 12 000 en dedans d'un mois. Le monde se l'arrachait, c'est à croire que tout le monde voulait l'avoir. Oui, ça, mes amis, ça m'a donné un coup de sang au cerveau, pas au cœur, pas au crayon et tout. En 1929, je n'avais écrit 2 chansons. Mais en 1930, je n'avais écrit 22. Mais en 1931, je n'avais écrit 20. Puis des records et tout.
Quand je sortais un nouveau record, là, ça attendait en ligne, ici, chez Archambault. Là. Ça faisait tout le carré, tout le bloc. Là. Puis quand les haut-parleurs faisaient jouer une nouvelle chanson de Mme Bolduc, il y a des fois que le trafic arrêtait. Parce que le monde dans les chars, il voulait écouter mes nouvelles farces puis mes nouvelles surlutes. Moi, j'en revenais pas. J'en suis jamais revenu non plus. Mais ça m'a donné des ailes pour faire d'autres chansons. J'ai joué dans trois théâtres à Montréal pas à Québec. J'ai joué au Kenneth World. J'ai joué au Théâtre national de Mme Rose Ouellette, chez Mme Lapoune. Après ça, j'ai joué dans les cinémas. On appelait ça des théâtres dans le temps. Puis jusqu'à dans les arènes de lutte. Au début de ma carrière, je portais un costume de grand-mère avec la perruque blanche puis tout. Ça me donnait la permission de chanter. Il suffit que j'étais une jeune femme. Mais ça n'a pas été long que j'ai laissé faire la perruque puis que je me suis choisi des toilettes à mon goût. C'est pas parce que je chantais des rilles que j'étais obligée d'être en suyer de bœuf et en tablier, hein? Il y en a qui prétendent que j'aurais été la première à chanter nos affaires à nous autres, avec nos mots à nous autres, notre musique à nous autres. Je dirais que j'ai été parmi les premiers. Mais j'ai pas inventé la turlute, Véra, non. Tout violonneux est un turluteux. Mais j'avais ma manière à moi de turluter, de jouer ma musique à bouche, de faire mes rimes comiques. Bon, qu'est-ce que je chantais? Je chantais pour rétriver, pour faire rire aux éclats, pour faire oublier nos tracas. Je chantais pour prendre la part du pauvre monde comme nous autres. La crise venait nous tomber dessus, nous casser en deux, nous casser tout court. Fait que je chantais qu'est-ce que mes yeux voyaient, avec les mots que je pouvais, nos mots, nous autres, puis la musique que j'avais dans le corps depuis que j'étais venue au monde. Je chantais pour encourager le monde, leur dire de ne pas se décourager. Peut-être que j'étais trop optimiste, comme on dit. Mais quand il fait noir comme chez le loup, puis qu'il fait frais ton gel, peut-être mieux d'allumer un grand feu de joie qu'une petite allumette. En tout cas, c'est aux braves habitants que je m'adresse maintenant. Tirlit nari lanat nari lam. Quittez jamais vos campagnes pour venir rester à Montréal. Tirlit nari larat nari la. Dans des grandes villes comme ça, de la misère, il y en a. Tarédun dali tulderli, tarédun dali tulderli tulli dam. Et surtout cet hiver, il y en a qui mangent du pain noir. Tirlit nari tulderli tulderli lam. C'est à Montréal qu'il y a des sans-travail. C'est effrayant de voir ça, les gens qui travaillent pas. C'est pas raisonnable quand il y ait d'ouvrage à soi, les étrangers, mais qu'ils soient engagés. Il avait un commerçant, je vous dis qu'il était chalant. Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5 heures du matin, il chantait ses guerres frais. Des carottes puis des navots, ben le bois comme ils sont beaux. Oh, on en a des légumes. Des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux. Des patates puis des tomates, on a des roux, des vertes. Si la saucisse pouvait parler, elle dirait la vérité. Mais si vous croyez les commerçants, c'est du pot qu'il y a dedans. Avez-vous déjà mangé de la saucisse roulée? Avec quoi qu'elle est bourrée, c'est le secret des bouchers. Tarétin, 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 tarétin. J'avais un propriétaire, ça c'était une frocomère. Il venait écornisser près de la maison à la journée. Quand il voyait quelqu'un rentrer, il venait s'enfier dans l'escalier. Si je baillais ma galerie, c'était pas long qu'il était sorti. Tarétin, 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 tarétin. À la brousse du coin, ça fait bien mieux l'affaire quand on est pressé. On n'a rien qu'à traverser à la brousse du coin. On n'a jamais de misère quand on est cassé. Sous la peau nous avancer. Il y avait un conducteur, il est toujours de bonne humeur quand il voit une jeune fille. Il porte comme un anguille quand il pointe sur son transfert. Il la garde un œil de travers quand il la voit dans les chars. Il trouve c'est un beau pétard, mais par un singulier hasard. Il arrive toujours chez lui en tonne, mais par un singulier hasard. Il arrive toujours chez lui en tonne, chez lui en tonne. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai et je continue à terluter. J'aimais donc ça, mes amis, composer des chansons. Des fois, j'en faisais une après avoir lu la presse, une nouvelle comme l'air sang qui s'emmenait à Saint-Hubert, ou bien les cinq jumelles Dionne. Des fois, j'en composais en allant bouquer mes tournées avec Jean Grimaldi. Je sortais mon crayon, puis j'en composais une dans le char.
Comme de raison, j'aurais bien aimé ça avoir de l'instruction. Mais une fois que je m'étais dit que, coudonc, je faisais mon possible, ben, j'avais de l'agrément en écrit. Mes enfants corrigeaient mes fautes. Lucienne avait 4 ans de piano, et puis elle écrivait ma musique, elle notait mes airs. J'écrivais des chansons pour y triver et tout. Me moquer des travers du monde, à commencer par les miens. Elle allait jusqu'à me lever d'ennui pour en écrire une. Fallait que j'aime ça en pas pour rire. Raconter l'histoire. Il y en a un qui s'appelle Chinois et puis l'autre s'appelle Boboul. Avant de faire le roi des coups, ils ont tous fait comme Kikou. Après ça, ils sont décidés d'aller faire les poulaillers. Chez le lit, 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 des choux pis des nerveaux. Lucien, Lucien, lève-toi vite. Maman a une nouvelle. La vie tournée. Oh, quelle vie, mes amis. Je partais avec du monde que j'ai bien aimé. Jean Grimaldi, qui était MC, qui était acteur, qui a chanté avec moi quelquefois aussi. Puis plus tard, il m'a engagé dans ses tournées. Cher Jean. Après ça, Colette Ferrier, Henri Rollin, André Carmel, mais son nom de théâtre, c'était Zézé. J'ai fait une tournée avec Rose Ouellette, notre poune nationale, puis cette belle, grande et charmante Juliette Pétry. Après ça, le fils de l'autre, Oliver. Ah, vous autres l'avez toujours appelé Olivier ou Benoît Tidune Junior. Mais nous autres, on l'a toujours appelé Oliver pour la bonne raison que c'était de même que ses parents l'avaient appelé. Son père avait du talent effrayant, mais vous êtes à même de savoir qu'Oliver faisait mourir le monde de rire, lui tout. Puis mandat, c'était. Mandat parent. Comique, ça, mes amis, comique, qu'il n'y a pas de mot pour le dire. Après ça, Simone, mon amie Simone de Varennes, qui m'a entraîné à porter des belles robes. Qui, à part de ça, Georges Leduc, Paulo Nantel, Marcel Grondin, l'accordéoniste de Québec, le grand Paul Desmarteaux. Ça, c'était un grand acteur, ça, Paul Desmarteaux. Ah, oh, puis il y en a eu bien d'autres. Et je leur demande pardon, suffit que je peux pas toutes les nommer. Ça, ça me fait de la route char, là, mes aïeux. On partait entassés jusqu'à 8 ben char, avec le trailer en arrière pour les décors et les costumes. J'ai commencé à faire la tournée en 1932, puis j'en ai fait quasiment jusqu'à ma mort. On tournait, puis on retournait. De Vaudreuil jusqu'à Côte-Nord, puis envoyé en Abitibi, puis retourné à Gaspé, puis en Ontario, puis où, donc par en bas jusqu'aux États. Je partais, c'était plus fort que moi. Fallait que j'aille voir mon monde. Mes records étaient vendus partout, c'est pour ça que le monde me connaissait. Puis j'aimais ça, organiser mes tournées, puis m'occuper de tout. En tout cas, tant que ma santé me l'a permis. On va commencer par en poser une cite. Êtes-vous déjà venu chanter ici, mon? Non, souvent, Réal. Moi, même venu souvent chanter ici. Fernand, mon bébé, prends garde, là. Il y a un gars à l'école, son nom qui vous a vend un spectacle à Rigaud, puis il dit qu'il vous oubliera jamais de sa vie. Il dit que sa chanson préférée, c'est la pitoune. Oui, tout. Ça, puis la Traviata. Faites voir. Cet enfant-là a massé le patin à roulettes. C'est pas ordinaire. Hein? Ah, elle aime ça, déplacer de l'air, hein? À te tenir. J'ai décidé d'acheter des céréales. L'avez-vous vu? C'est bonne, hein? Une vraie championne, hein, toi? Bien certain. OK, maman, on s'en va en poser d'autres, là. La pitonne, ça, c'est peut-être une belle fille, ni trop grande, ni trop petite. La pitonne, ça, c'est peut-être une belle fille, courant pour la pitonne. Ma publicité, je m'en occupais. Une fois, j'avais pris l'aéroplane, puis j'avais laissé tomber des messages parmi le monde pour leur dire que je m'en venais. Je m'occupais de mes relations publiques, comme vous dites aujourd'hui. Je m'en occupais
religieusement. 60-40, ça marche-tu? 60-40. 60% pour qui? 50-50, on sépare en deux. Seriez-vous d'équerre? La paroisse vous est déjà très reconnaissante, Madame Bolduc. Bon, comme ça, vous allez m'annoncer tous les dimanches jusqu'à temps que j'arrive? Ah, vous pouvez compter sur moi. Mais la salle sera comble, comme à l'accoutumée, chère dame. Ça, c'est certain, monsieur le curé. On a des bons acteurs, on a des bons chanteurs, on a un vrai bon spectacle. Bon, mais là, excusez-moi si je m'excuse, c'est parce qu'on a encore 6 paroisses à faire, hein? Ah, oui, faites, faites. Oh, monsieur le curé, j'oubliais. Comme d'accoutume, achèteriez-vous un panier de provisions pour vos plus pauvres? Et puis, s'il en reste, bien, vous faites brûler un lampion à Sainte-Thérèse. Que le bon Dieu vous protège, chère dame. Avec faux chien, si c'est pas la plus belle créature que le bon Dieu nous a donnée sur la terre. Allez-vous venir bien vite? Bien oui, je m'en viens le mois prochain. Madame Moldu. Ah, ben vous manquerez pas. Je vous ai jamais manqué, j'ai même été jusque chez Montréaliste au National pour vous voir. Ah, vous aimez ça? Ah! On a eu une soirée dépareillée. Mais quand vous avez chanté l'air scène, je pensais que c'était pour mourir de rire. Seulement ma vieille ne pourra pas venir avec moi, elle ne trouve pas ça drôle, elle. Ah. Faites-vous-en pas, ça. Ça fait 40 ans que j'essaye d'en faire rire, mais j'ai jamais dit. On voudrait bien se remettre en route si on va arriver. Au revoir! Sacré belle créature, M. Duré. Si le bon Dieu a fait mieux que ça, il l'a gardé pour lui. Je vous dis qu'on s'est trotté. Il n'y avait pas de TV. Vous comprenez bien que les salles étaient pleines à craquer. Des fois, jusqu'à 1000 personnes. Le monde m'aimait. Puis j'aimais mon monde. Mais il fallait toujours bien se rendre. Dans ce temps-là, les routes, c'était pas la transcanadienne. Je vous en passe un papier. Plus souvent qu'autrement, on se faisait barouetter quand c'était pas carrément... Une crevaison, Cacaris. La quatrième, Cacaris, la quatrième, mais c'est pas possible. Ça aurait pu être pire, Jean. On aurait pu faire un flat. Une chance qu'on a fait réparer notre tailleur tout à l'heure, hein? Et avez-vous remarqué, Mom, le gars, il faisait de l'œil. Mais c'était pas si belle et tout. Il est bon, Cacaris. Merci pour ce pneu de rechange. Oh, mais gros, il y en a aussi, Oliver, là. J'ai entendu un gros pom. Tu sais que c'est lâché? Oh, oh, oh. Tu me demandes pourquoi je suis triste. Ça fait 4 flats qu'on flatte depuis le matin. Ça met Jean Grimaldi en cacarise. Puis c'est Manda qui salit les mains. Drôle la houdie, drôle la hi, drôle la hi. Jean, c'est une nouvelle danse. Cacaris, vous m'arrêtez, voilà, y a-t-il un truc pour les chasser? Ah oui, avec un fusil à cap. Fusil à cap? Ouais. Avec une mitraillette, ça va plus vite. Regardez-les, monsieur, c'est comme une vraie procession. Faut croire qu'ils aiment le sang corse. Corset, tu dis? Dis-moi donc, ma petite Denise, qu'est-ce que t'attends pour te marier? Il est pas le report, puis le sec, non, on n'arrivera pas là. Oh, don't worry, Madame Bolduc. We'll get out of this place, or my name isn't Tazoo. Oh, come on, Johnny. Oui. Come on, Dizzy. Comment ça se fait que personne m'a dit que la BTB est en Afrique? Ouais, je me fais piquer partout. Oh, oh, partout, partout, on lit chanceux. The lucky little devil. Paraît qu'une petite shot de gin de temps en temps, il n'y a rien de mieux pour surprendre une bébite. Ouais! T'as lu ça dans l'almanach du peuple, je suppose. Y a pas gros de bébite. Des fois, on allait jouer jusqu'au fond des bois pour les habitants courageux ou bien les défricheurs qui avaient rien qu'une idée dans la tête. Sortir de leur misère. Mais pour une veillée, moi et ma troupe, on les faisait sortir de leur misère. Vous arrivez à 6 heures pétant, mon trésor. Voyons faire des pétants dans le trésor quand tu vas arriver ici. Oh! 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 Va aller prendre une marche, madame. Oh! 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 Oh!
pas d'ail que tu sens, Olivier. Mm. Tu sens la tonne. La tonne, Olivier. Hey, voyons donc, mon trésor. Olivier! Mm. T'avais dit 6 heures. Mm. Bon, c'est parce que il y a le petit cousin du grand-père de Méo qui est décédé. Ça fait qu'un an. Yo, yo! Tu vas m'écouter, m'entends-tu? Hum, je t'entends comme si t'étais là, mon trésor. Tu me laisses toujours tout seul, non. Olivier. Toi, tu te cherches l'ouvrage pendant que moi, je fais tout l'ouvrage. J'en cherche pas, moi, Olivier. J'en ai de l'ouvrage. Non, t'es bien chanceuse. Rien qu'aujourd'hui, j'ai lavé le mur, le plancher, j'ai fait le lavage, le repassage. Non, j'ai marié une femme d'appareillé. Crains pas mon âge, je le sais. Mais là, là, tu vas te grouiller. C'est fini, ces histoires-là. Ah, dans son temps. À soir, c'est toi qui vas laver la vaisselle. Oh, tu sais que pas tes culottes c'est. Ah, ah, ah. Hey. Tu vas laver la vaisselle, Olivier. Il faut mouiller des grenouilles en sucre du pays avant que je lave la vaisselle, Manda. Ah. Tu vas laver la vaisselle, Olivier. C'est pas, Manda. C'est pas. Toi qui aimes tant les gambler, ferais-tu une gageure avec moi? Anytime. Je vais compter jusqu'à 3. Puis le premier qui parle, c'est lui qui lave la vaisselle. Elle se dit, mon trésor, elle se dit. Attends. Oh, ça va prendre une souris pour me faire ouvrir la trappe. Hop, OK, calm down, mon petit. One. Two. Three. Vite! Allez, allez! Où est-ce qu'il est, le portefeuille? Parlez! Ou bien non, je tire! Oh, oui. Où est-ce qu'il est, le portefeuille? C'est toi qui lave la vaisselle, Olivier. De curé des deux autres paroisses. Hey, je vous dis qu'il faut vouloir venir vous voir monter jusqu'en Abitibi, hein? On a fait 4 plats. On s'est pris 3 fois dans la boîte. Hey, à un moment donné, j'ai dit à Mme Parent, j'ai dit, coudon, es-tu sur le bon chemin? Elle dit, soyez pas inquiète, Mme Bolduc. Elle dit, je pense qu'il y en a rien qu'un. Fait que je me revire pour demander son avis à M. Grimaldi. Il était après José, lui, avec 4224 maringouins. J'ai dit, ça a l'air d'être des maringouins par ici. J'ai dit, peut-être, j'ai dit qu'ils savent. Je vais leur demander. Fait que je demande au chef. J'ai dit, nous autres, on s'en va à Barotte, en Abitibi. J'ai dit, on est-tu correct? Il dit, soyez pas inquiète, Mme Bolduc, suivez-nous. Fait qu'on les a suivis, puis on a bien fait, on est arrivé direct ici. Puis ça a tout l'air que les 4224 ont décidé de rester à veiller avec nous autres, hein? Bon, ben, je leur ai fait une petite chanson, ces maringouins, pour les remercier. C'est ma fille, Denise, ma plus vieille, qui m'accompagne. Hey, je vous dis qu'il n'y a pas rien que les maringouins qui tournent autour d'elle. Hein? Envoyez donc, ma Denise. 1, 2, 3. Je suis allée me promener à la campagne pour l'été. Je vous dis, j'en ai arraché, les maringouins m'ont tout mangé. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont fait une belle façon. Ils sont venus au-devant de moi, c'était comme une procession. Les maringouins, c'est une bubite, faut se gratter.
sciatique sans s'aloupée. Je vous dis, c'est effrayant, c'est 100 fois pire que le mal aux dents. J'ai les jambes pleines de piqûres, c'est comme un vrai morceau de torchu. J'ai la peau tout enlevée, c'est parce que je me suis trop gratté. C'est Jean-Baptiste Beaufouette, il a le nez tout retroussé. Quand il vient pour respirer, il a le courage de s'emballer. Son dîner au restaurant, tout d'un coup c'est m'a crié, voilà tu pour qui t'étouffer. Aïe 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 aïe. Et moi de mon côté, je vous dis que j'étais énervé, j'y ai donné coup de poing dans le dos, il a crié, c'est comme un faux. Comme son ami travaille pas, elle a pas qu'à marier pas. Ta dit l'homme, t'es le tombe, t'es ta dit la dit, ta dit l'homme, t'es le tombe, t'es ta dit la. Moi je l'ai vu hier au soir au coin de la rue Saint-Hubert, elle est avec son Albert. J'ai dit, essaye à la voix, ta dit l'homme, t'es le tombe, t'es ta dit la dit, ta dit l'homme, t'es le tombe, t'es ta dit la. J'avais une petite cousine, elle s'appelait Arnestine. Quand son ami venait veiller, il faisait rien que turluter. Il est le petit-tom, il est le petit-tom, il est le petit-tom. Oh, qu'il est dans son petit jeu. L'autre jour, dans sa cuisine, elle faisait de la poutine. Elle dit, viens donc m'embrasser, il dit, ta poutine va brûler. Il est le petit-tom, il est le petit-tom, il est le petit-tom. Malgré qu'il arrive à 30 ans, il joue du yo-yo de temps en temps. Tout en lui faisant l'amour, a dit prête-moi les à mon tour. Dis noir, dit qu'il est malade, après tout, il est pas mal. S'il sent une petite douleur, il téléphone au docteur. Il a le mal imaginaire, puis le système à l'envers. Puis des gaz à l'estomac, j'ai donné un petit peu de soudain. Il y a eu une consultation. Le docteur dit, mon garçon, t'as le cordon du cœur trop long. Il y a le mal imaginaire, puis le système à l'envers. Puis des gaz à l'estomac, j'ai donné un petit peu de soda. Il s'est fait tellement de billes, il est mieux la peau comme un crocodile. Il sentait si malheureux qu'il sautait comme un chevreux. Il y avait le mal imaginaire, puis le système à l'envers. Puis des gaz à l'estomac, j'ai donné un petit peu de soda. Bigouette, la vie vous vit penser, il y a le corps fait en barouette et puis le bout du nez cassé. Terrum, titum, tatilly, 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 terrum, titum, tatilly, tatilly, titum, titum. Il y a deux rangées de dents, puis la bouche toute de travers. Quand il fume sa pipe de tort, il a l'air de la vraie misère. Terrum, titum, tatilly, 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 terrum, titum, tatilly, tatilly, titum, titum. Oh, c'est la fille du vieux roupi, quand t'as voué son Jean-Louis, ah, viens les yeux pleins d'eau, c'est comme un chien qui avale un eau. En marchant, stop dans le corps, puis les deux pieds en dehors, les narines écartillées, puis le reste en bien enfoncé. Ah,
rentrant dans le poulailler. Le coq s'est mis à chanter. Le bonhomme s'est réveillé avec son fusil étalé. La bonne femme qui est en arrière a dit écoute donc son père, t'as pas besoin de tirer, tes cartouches sont engrenées. La bonne femme prit le devant, le bonhomme voyait pas clair. Comme elle avait pas de dents, l'ont pris pour un chante-cœur. Et comme ils avaient bien faim, ils ont pris ce qu'il avait sous la main. Avec une peur bien remplie, à la course, ils sont partis. Diom, ditom, tatil, ditom, diom, tatil, diélo. Hey, l'om, tatil, ditom, diom, tatil, diélo. Hey, l'om, tatil, ditom, diom, tatil, diélo. Hey, l'om, tatil, ditom, diom, tatil, diélo. Hey, l'idil, la, l'idil, l'om, tatil, ditom. Les voleurs contents du coup avaient hâte d'arriver pour se faire un bon ragoût avec ce qu'ils avaient volé. C'était péchant d'ouvrir le sac parce qu'ils voulaient manger. Il y en a un qui soit une tarte, c'est la bonne femme qui avait dans le sac. C'est la belle Artémise qui voulait se marier. Une fois rendue à l'église, elle trouvait plus son cavalier. On fit venir le petit pour prendre la place du marié. Et lui qui est pas nico consentit sans se faire prier. Après la cérémonie, Artémis qui a bon cœur dit ben je vous remercie de m'avoir sauvé du malheur. Y'a pas de quoi dire le bedeau, je suis à votre disposition. Je reviendrai tantôt et je finirai la tractation. Je me suis fait assurer, il y a deux ans passés, c'était par un vieux garçon, je vous dirai pas le nom. Il y a une moustache empruntée, puis un beau petit short coupé, mais quand il vient nous assurer, il sait comment placer les pieds. Pour les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange, quand je vais y arriver, alors je borde ma porte, puis je vais me cacher. Hey, lili, daily, titom, titili, daily, titom, titili, daily. J'ai un bouton sous boudin. Moi aussi, je suis fatiguant, hein? Envoie donc, Denise. Me voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis, ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Me suis fait un bon longueur, puis ça guérit dans pas grand temps. Puis j'ai un bouton sur le bout de la jambe qui m'empêche de turluter. Ça me fait bégayer. Du cou qui est aussi gros qu'un tantôt. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un sur le bord de l'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'ils terminent pas, sont garantis 14 garants. Puis j'en ai un bout de langue qui m'empêche de turluter. Ça me fait bégayer. C'était fatigant, c'était épuisant une tournée. Mais quand une personne reçoit tant d'amour, on oublie tout notre accord puis on reprend route. C'était pas une journée que je pensais pas aux enfants. Édouard m'inquiétait. Je téléphonais quand je le pouvais. J'écrivais et tout. Malgré tout ça, je garde des bons souvenirs de nos tournées. Nos tournées en Nouvelle-Angleterre et tout. Du temps qu'une partie du Québec avait déménagé vers les États. On se plaint à Montréal, après tout, on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à non être pain sec. Y'a pas d'ouvrage au Canada, y'en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le cœur pris, et je continue à faire lutter. Dans les années 30, des villes dans le Massachusetts comme Lynn, Lowell, Springfield, ou bien comme ici, à Biddeford, dans le Maine, c'était des villes canadiennes françaises. Le monde ne se sentait pas exilé tant que ça,
par rapport que c'était comme si le Québec s'était étendu, étiré par le bas. Quand je venais ici avec une troupe, nous autres et tout, on se sentait comme chez nous. Fait qu'on venait faire rire, suffit, il y avait tellement de quoi pleurer. Du monde qui avait laissé la misère, pensant trouver richesse, puis qui avait encore trouvé de la misère. Fait que misère pour misère, il avait décidé de rester. Arrive le thé, nous n'avons qu'à regarder, soit les maîtres sur le chemin, on voit que les Américains, soit qu'ils mouillent, qu'ils soient chauds, en chemin de fer ou en auto, ce n'est pas pour point de l'eau qui nous arrive si tôt. Avez-vous vu non, j'ai pas vu, c'est des petits bonhommes, c'est des petits bonhommes. Avez-vous vu non, j'ai pas vu, c'est des petits bonhommes avec le nez pointu. À Calender, Ontario, ils sont forts sur les jumeaux. Ça prend une bonne Canadienne pour avoir ça la demi-douzaine. Des les gens du Canada marchent de l'avant comme des braves soldats. Le sauvage du Nord, et en tirant ses vaches, il y avait des bottes aux pieds qui faisaient la grimace. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, et puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Je suis une bonne femme de ménage, mon vieux arrière à me rapprocher. Oh, des couteaux, des fourchettes, des casseroles, des chaudrons, mais fricassez-vous. Viens-tu avec moi son père, au volet à Saint-Hubert, va donc à clé ta jument, puis au volet voir leur sang. Mais regarde-moi donc, t'y noires, t'as mis ta chemise à l'envers, il y a un trou dedans qui est aussi grand que leur sang. M'a changé de nom, t'y puis m'a tapé leur sang, t'y rouge leur sang, t'y gus leur sang, t'y pite leur sang, moi je trouve ça du bon sang. T'es les culottes leur sang, les pyjamas leur sang, brassières leur sang, vestiaires leur sang, tout le monde parle de leur sang. Bon, mais comme toute bonne chose une fin, il va falloir vous laisser un beau bonsoir. Je voudrais dire merci à M. le curé de Bedford, ainsi qu'à vous tous. Puis comme Noël s'en vient, là, j'en profite pour vous en souhaiter un beau, puis une bonne année et tout. Et prenez courage, les beaux jours sont à venir. On va revenir vous voir, craignez pas. Je viens de faire un record de Noël avec mes enfants, vous allez l'avoir bien vite, là. Merci, puis faites attention à vous autres, là. Bien vite, c'est le jour de l'an qui nous revient à tous les ans. Bien vite, c'est le jour de l'an qui nous revient à tous les ans. Parlons donc de l'ancien temps, tout le monde s'amusait gaiement. On ressemblait les parents, on n'avait plus d'agrément. On ressemblait les parents, on n'avait plus d'agrément. Nous avons eu une vraie tempête de neige hier. On avait 180 000 à faire. Nous en avons arraché. On n'a pas été capable de se rendre pour le programme de radio. Ça a été juste pour arriver pour la soirée. C'est le temps qu'on s'en aille au Canada. Soyez pas inquiète si on n'arrive pas jeudi. On arrivera vendredi, car les chemins sont bien glissants. Très mauvais. Ils sont comme des miroirs. C'est très dangereux pour les accidents. Je t'écris dans la machine, sur mon suitcase. C'est pour ça que c'est mal écrit. Mais c'est pour vous dire de pas être inquiète. Ils sont allés prendre un café, puis moi, je vous écris en attendant. Mais je vous embrasse tous, et puis j'ai bien hâte d'être avec vous autres. Je suis fatiguée. J'ai hâte de prendre un bon repos. Lucienne téléphone à Denise. Dis-y qu'elle soit pas inquiète. Je suis en parfaite santé. Encore une fois, si on retarde, inquiétez-vous pas. Je vous embrasse tous. Mary, maman. Il était temps qu'on s'arrête pour prendre un café. J'avais plus d'eau, plus de rein, plus de sein, plus rien. Tout est revenu, sois pas inquiète, Juliette. Démon, c'est glissant, c'est effrayant, Rose. Accroche-toi à la rose des vents, j'ai les pieds pesants comme du ciment, mon enfant. Mais je te remercie pour le ciment, mon enfant. Attention, Paul! Attention, c'est glissant! Ça va! Madame Bolduc, êtes-vous-tu? Vous voulez pas un café, rien? Non, non, maman, j'ai tout ce qu'il me faut rentrer. OK.
Hey, Madame Bolduc, le thé de Monsieur Desmarteaux, il était tellement faible qu'il était obligé de tenir sa tasse à deux mains. Faible de même, c'est pas croyable. Une chance que j'avais mon petit sérum. Oh, bah oui, un sérum, on connaît ça. C'est un sérum qui est semblable à mon sérum contre les bobites. Ça vous a renforcé le thé, je suppose. Le thé puis le moral. Attends-toi, Henri. Mais moi, c'est à cause de mon début de grippe que je me suis pensé de même. Ah, moi, c'est mon coup de gauche qui me lâche. Moi, j'ai un blanc de mémoire. Oh, ben, voyons donc, Juliette, c'est parce qu'elle a tellement forcé des sourcils dans l'air pour nous aider à nous sortir du bas de neige. Mais l'entendez-vous, Madame Bolduc? Moi, c'est parce que je voulais me chauffer en fournaise un petit brin. Mais vous, M. Grimaldi, là, vous chauffez le char, là, j'espère que vous êtes contenté d'un thé faible. Non, quand je chauffe le char, je ne chauffe jamais la fournaise, voyons donc. Madame Bolduc, chantez-nous donc encore votre nouvelle chanson du temps des fêtes. Je la trouve fameuse. Ah oui, c'est un hit certain, ça, Madame Bolduc. Bon, ben ça va. Prépare-toi, son père, on va fêter le jour de l'an. On va faire de la bonne tourtière, du ragoût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse. C'est le bon temps d'en profiter, ça arrive rien qu'une fois par année. Il y en a qui sentent la pire, d'autres qui sentent les oignons. Hiver, été, beau temps, mauvais temps, on prenait le chemin. On était des colporteurs de joie. C'est un beau métier pareil, hein? On a toujours peur d'avoir un accident quand on prend la route en pleine tempête de neige, hein? Mais moi, ma grosse accident, en plein été, je l'ai eu. Même pour dire, hein? Accident d'auto, stop. Rien de grave, stop. Voix aux assurances. Signé, Mary. C'est entre Rimouski puis la paroisse du Sacré-Cœur, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, le 25 de juin 1937, qu'on a eu notre accident. Un face-à-face effrayant. J'ai été magané en démon. Fracture du nez, fêlure de la colonne, fracture du bassin, fracture ouverte de ma jambe droite. Oh, en tout cas. Mais il y avait encore bien pire que ça qui m'attendait. Depuis mon accident, je filais pas. Ma jambe guérissait pas. Je faisais des hémorragies tout le temps. Fait qu'ils ont été obligés de passer bien des tests. Et puis c'est là qu'ils ont découvert que j'avais le cancer. C'était en 1937. Ils m'ont dit qu'il me restait 3, peut-être bien 4 ans à vivre. 4 fois 365 jours pour préparer mes enfants à ma mort. C'est ça que j'ai dit à mes docteurs quand ils m'ont annoncé la nouvelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'aimais le mieux faire, chanter. Chanter m'avait toujours aidé à vivre, puis c'est encore chanter qui m'a aidé à accepter ma mort. Qui m'a aidé à préparer mes enfants à ma mort. Ici, avant d'être la bibliothèque Maisonneuve, c'était l'Institut du Radium, de mon hôpital. Même sur le dos, je jouais du violon pour mes malades. C'est ici que j'ai quitté ce beau monde, le 20 février 1941. Avant de partir, j'avais dit à Fernande, mais qu'est-ce que mon monde va dire? C'était justement mon monde qui était dans l'église ici pour mes funérailles le 24 février 1941. Ça, c'est la presse du 21 février 1941. En dernière page, le carré ici, le petit carré, là. C'est ici qui annonçait ma mort. Petit article, gros public. L'interprétation des chansons de notre folklore perd en Madame Édouard Bolduc l'un de ses plus étonnants types. Les chansons de folklore, je dis pas que j'en ai pas chanté, seulement que j'ai surtout chanté les miennes, hein. Aujourd'hui, tout le monde sait ça, mais dans ce temps-là, le monde ne savait pas. Surtout ceux qui ne voulaient pas le savoir. Écoutez ça plus loin.
Madame Bolduc a eu le mérite de faire connaître au grand public la façon dont on chantait nos chansons à la campagne. J'étais une compositeur. Je dis pas que j'étais pas influencée par la centaine de rilles irlandais que j'avais dans le corps. Mais je faisais moi-même mes paroles. Mais suffit que j'étais une femme manquable qu'au bout du compte, j'étais interprète de folklore. Mais écoutez ça dans la Radio Monde. Monsieur Henri Letondat. M'aimait bien, Monsieur Letondat. Vous lirez pas toutes, là. Et pourtant, Madame Édouard Bolduc, artiste sincère et probe, était tenue en méfiance par un certain groupe qui ne prisait ni la spontanéité de son invention, ni les moyens qu'elle employait pour atteindre la popularité. Mais le bon peuple, lui, jugeait différemment, avec un enthousiasme débordant. Il acclamait celle qui savait si bien le distraire. Le bon peuple le savait certain. Le bon peuple, c'est pas lui qui téléphonait au poste de radio pour se plaindre. Pour dire de plus faire jouer des records de Mme Bolduc parce qu'elle était commune, parce qu'elle était vulgaire. Le pire, c'est que ça marchait. On m'invitait presque pas à faire des programmes, puis on faisait jouer mes records moins souvent. Et non commune, et non vulgaire. Elle parle donc mal. Je vous dis que je leur ai répondu par la bouche d'un de mes records. Il y en a qui sont jaloux, qui veulent me déboire dans les roues. Je vous dis, tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents. Pourvu que je mets pas d'anglais, je n'ai pas bon parler français. Triatitam-tam, tirlit-nari-la-titi-lam. Triatitam, tirlit-nari-la-titi-lam. N'empêche que j'entendais dire que des esprits bien pensants cachaient mes records pour que les enfants écoutent. Mais ça se garochait sur le gramophone aussitôt que les enfants étaient couchés. D'autres attendaient d'avoir un verre dans le nez avant de m'écouter. Je te dis que ça prenait pas grand-chose pour qu'ils tombent en bas de leur bottine. Prenez, quand je chantais, comme il a vu que j'étais niaise, il m'a demandé d'aller aux fraises. Ou bien non, il y a par ici, puis il y a par là. Il y a même petit Joe qui joue ça. Tout en lui faisant l'amour, a dit prête-moi les à mon tour. Oh, qu'il est donc ce petit Joe. Ça me serait pas venu à l'esprit que c'était vulgaire. Et triveux, oui. Mais vulgaire, ce que le bon Dieu a fait de plus beau, voyons donc. Pour moi, la vulgarité, c'est des enfants qui étaient pas chaussés. C'était des petits bébés qu'il aurait fallu soigner. C'était le ventre qui crevait de faim. C'était nos hommes qui étaient découragés. C'était des mères éprouvées qu'il aurait fallu consoler. C'était ça pour moi, la vulgarité, la crise, la guerre. En tout cas. Même ceux qui se cachaient pour m'écouter. M'écoutaient toujours bien pareil. Ils se cachaient pour m'aimer. C'est tout. J'ai eu des beaux enfants, des bons enfants, des enfants courageux. J'avais beau leur faire des cadeaux, ils avaient beau être bien habillés, c'était le temps de la crise pour eux autres et tout. Des enfants courageux, puis des enfants généreux. Un enfant peut-il être plus généreux que de partager sa mère avec des milliers puis des milliers de personnes? Mes enfants ont fait ça aux autres, partager leur mère. Ils étaient privés de leur mère souvent parce que leur mère aimait chanter, leur mère gagnait leur vie, leur mère aimait donner de l'amour puis en recevoir. Je les ai aimés, mes enfants. Du mieux que j'ai pu. C'est vrai que j'en ai fait de l'argent. J'en ai dépensé. J'en ai donné et tout. Quand on a été bien pauvre, on a de la misère à être riche. Fait que moi, je ne l'ai jamais été. Riche. André Gagnon, les turlutries. N'empêche que je l'avais dit à ma fille Fernande quand j'étais à l'hôpital. J'ai dit, tu vas voir, mon bébé. Maman sera pas oubliée. Maman va faire comme la crème. Elle va toujours remonter à la surface. N'empêche que j'avais raison. T'as béni Michel. Dans l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents. Tu me manges ma voix d'anglais. Je n'ai pas beau parler français. Il y en a une belle grande dame blonde et fière qui tient le flambeau de la Bolduc depuis 50 ans passés.
Jamais je pourrais me retourner sans lui dire merci. Merci du plus profond de mon cœur. Chantez-nous en donc encore quelques-unes, Madame Jeanne d'Arc Charlebois. On a une épidémie, tout le monde sont grippés. Il n'y en a pas dans mes amis qui n'ont pas la grippe cette année. Tous mes magasins cassonnent, s'ils font de l'argent comme de l'eau. Les mouchoirs, c'est à douzaine, vous, ce sont le même de cerveau. Et les dents, et tu les dans les mains, dans les mains, dans les dents. Qui s'est marié il y a quelques années, à vous un petit mari, oh qu'il est toujours sorti. Il va la faire mourir de l'or. Commandant danse la rumba, à ce garoche et c'était là. Moi j'aime mieux danser comme les vieux, une giga deux, en suyer deux. Puis je jouerai du violon, puis je danserai des rigodons. Mais je fais pas comme la cuba, quand je rumba sur mes bancs. Cambéré a traversé avec ses rimes et son sourire. L'Amérique française a tremblé. Je me souviens, c'était le délire. Géante mère, chanson au bec pour consoler l'enfant Québec. Notre-Dame de la Turlute, c'était Madame, Madame Molduc. De Gaspé jusqu'aux États, comme une vraie colporteuse de joie. Les sons jaillissaient en couleur de ton gosier d'oiseau moqueur. Entre les dents de ton harmonica, tu soufflais, lâchons, lâchons pas. Belle et triveuse aux yeux rieurs, je te salue, mère et grand cœur. J'ai fait 100 000 milles par les airs et par les eaux pour vous dire que le monde a commencé par une sorte de... Il y a le soleil sur la mer et toi au bord qui le regarde descendre dans l'eau. C'est ici que sur nos côtes, Jacques Cartier planta la croix. France, ta langue est la nôtre, je la parle comme autrefois. Si je la chante à ma façon, je suis gaspésienne et puis j'ai ça de bon. Si je la chante à ma façon, je suis gaspésienne et puis j'ai ça de bon. Mes amis, cette romance, pour vous je l'ai composée. En mon cœur plein d'espérance, sur les bords de l'eau salée, chantons, chantons en ce beau jour, ma Gaspésie et mes amours. Chantons, chantons en ce beau jour, mon vieux Québec et mes amours. Mon vieux Québec et mes amours.